Madjara Tou. Bonjour, comment allez-vous? Ça va super. Alors là, on se retrouve au salon de Sassy Beauty. Oui, c'est là que je viens faire mes cheveux quoi, quand je suis en Afrique. Bah, c'est super. Là, merci, on a une beaucoup. Question à vous poser. D'accord. Alors, vous pensez quoi de ces hommes qui utilisent des produits aphrodisiaques tels que Poutoulou, Atoté? Et est-ce que vous, votre mari, utilise ce genre de choses? Si mon mari, déjà, même ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Hein. Ça dépend de ce que les gens y prennent. Parce qu'aujourd'hui, on dit il y a Poutoulou là, il y a 5h du matin. Souvent, il dit 5h du matin, le truc même, il se réveille aussi à 2h. Donc, si vous connaissez tous ces noms, ça veut dire qu'on dirait que non, votre mari l'utilise. Non, parce que, monsieur Lagaré, moi, je n'aime pas quand il l'utilise. Ah. Parce que lui, quand il l'utilise, je suis souvent au marché. Pourtant, il a pris 4h du matin. Ça ne fait pas 4h, c'est à 8h, 9h quand je suis au marché. Ah. Il m'appelle, il dit, cours rapidement. Je dis, mais je cours rapidement pour faire quoi? Tu me dis, cours. Tu as pris ça depuis 3h et 1h du matin. On dit 4h. Ça n'a pas fait 4h. À 9h au marché, je ne peux pas. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas des choses qui sont bonnes. Quoi. Parce que souvent, ça peut faire la maladie des reins. Ça peut faire les mauvaises choses. Donc, vous ne conseillez pas ça? Non, je ne conseille pas. Si d'accord. Tu n'as pas pu faire naturellement, c'est que tu n'es pas bon. Quoi. C'est tout ce que moi, je peux dire. Parce que ça, si on donne des horaires que ça ne respecte pas les horaires, c'est que ça ne sert à rien. La jeunesse n'est qu'à laisser. On laisse ça aux gens qui ont plus de 50 ans. C'est pour les émoustoufler un peu. Quoi. D'accord, ok. Voilà. Bon, merci pour votre avis. Je vous en prie, quoi. Bonjour, madame Dagri. Bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver au salon de Sassy Beauty. C'est vrai. C'est l'un des meilleurs salons. Alors, on a une question à vous poser. Encore, toujours. Oui, toujours. Alors, aujourd'hui, on demande. Qu'est-ce que vous pensez? Christine, doucement, hein, celui-là. Qu'est-ce que vous pensez des hommes qui utilisent des produits aphrodisiaques comme les Atoté, le Poutoulou, tout ça? Mais est-ce que monsieur Dagri, lui, il utilise ça? Si Dagri utilise ça, c'est que moi, je suis morte déjà. Mais pourquoi? Dagri, c'est naturellement, même Dieu l'a créé avec ça. Angne, Poutoulou, Wa, on dit, il y a un même, on dit 4h. Lui-même, souvent, quand Dagri prend sa minuit, là, à 2h même, Dagri est déjà debout. Donc, 4h, là, je ne sais pas pourquoi on va mettre ça dessus. Il y a des heures, Dagri même a un ami, il ne faut pas qu'il va entendre là-bas. Dagri a un ami, là, parce qu'il boit ça. Toi, tu n'as pas encore vu la fille qui t'a invité, là. Ni il a bu. Il a bu, là. Il est couché dans la chambre d'hôtel, là, jusqu'à 8h. Lui, se l'a dit, monsieur, il est 11h, on tape. Il ne peut pas sortir. Parce que vous imaginez, c'est gâté celui là-bas. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu. Aïe, aïe, aïe. Non, donc, en fait, il faut qu'on boit ça, il faut être prêt. Il faut être prêt. Non seulement il faut être prêt. Et puis, ça, on donne ça aux gens qui ont 50 ans, 60 ans là-bas pour se réveiller un peu. D'accord. Donc, vous conseillez ça ou pas? Pour ramener un peu l'esprit. Je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un. D'accord. Ça, là, je ne peux pas conseiller parce que c'est ça qui envoie toutes les petites maladies que les gens ont aujourd'hui. Là. Mais laissons ça à nous, nos maris, les dagris, là, les gens qui ont les 50, 60 ans. C'est pour que leur petite jeunesse va les blaguer un peu devant les petites villes. D'accord. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Oh, yeah. Oh, yeah.